La chasse aux dindons sauvages. Une chasse captivante, interactive. Mais la chasse aux dindons sauvages d'automne, oh, pas pantoute la même affaire. Restez là, je vous montre le montage vidéo de ma chasse aux dindons sauvages d'automne 2021. Attendons. L'appel du roi vous est présenté en collaboration avec Excalibur Crossbow. Pour nous, la précision est plus qu'un mot, c'est une garantie. Elite, la courroie de chasse optimale qui libère vos mains. Les produits Extrême CG, des produits de qualité supérieure. Osez l'extrême. Et la pourvoirie Domaine La Sorbière, l'immensité à votre portée. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Appel du Roi. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter mon montage vidéo pour ma chasse aux dindons sauvages à l'automne 2021. Comme vous savez, au Québec, depuis 2020, ils permettent une chasse aux dindons sauvages d'automne, une chasse dans laquelle tous les segments sont permis, dans le sens qu'on chasse le dindon avec ou sans présence de barbe. Donc, dans cette vidéo-là, vous allez voir comment que j'étais organisé. Je me suis rendu là-bas, je suis parti tôt le matin, parce que j'avais quand même une bonne route à faire. Je me suis installé, j'avais amené mon arbalète, mon 12. Vous allez voir pourquoi que finalement, je l'ai tiré au 12. Après l'abattage, j'allais voir la réaction des autres oiseaux qui étaient là, des autres dindons qui étaient là. Ils se sont demandé un petit peu qu'est-ce qui se passait, ils ne sont pas trop éloignés, jusqu'à temps que le dindon que j'avais abattu, sur le coup, il est tombé, puis il ne bougeait plus. Mais à un moment donné, il s'est mis à s'agiter. Puis quand il s'est mis à s'agiter, là, c'est là que ça a comme excité les autres. Puis là, les autres qui ont dit « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas bien, on reste pas ici, on s'en va ». Fait que regardez le montage vidéo, vous allez voir l'abattage et les réactions des oiseaux par après. Je vais vous expliquer tout ce qui est en est de cette chasse-là. N'hésitez pas à visiter mon site web, n'hésitez pas à aimer ma page Facebook de l'Appel du Roi et allez voir aussi les vidéos que j'ai sur YouTube. J'en ai plus de 90 au cours des dernières années avec l'appellation de l'Appel du Roi. Inscrivez-vous, comme ça vous allez pouvoir suivre les nouveautés qui arrivent là-dessus. Sur ce, bon visionnement et à une prochaine avec l'Appel du Roi. Merci. Bonjour tout le monde. On est dimanche matin, le 24 octobre 2021. Deuxième journée de chasse automnale pour le dindon sauvage ici au Québec. Mes premières journées, premier matin pour moi que je suis disponible pour y aller. Là, il est 5h du matin. Je pars dans pas longtemps parce que j'ai au moins une heure de route à faire pour me rendre où ce que je veux aller chasser. Donc, on va s'organiser pour être là à temps, pour être tout installé pour le début de la journée. Fait que, en espérant qu'on va avoir des belles images à vous montrer. Allez, à tantôt!
ils viennent de sonner l'alarme, ils sont partis. Ils n'ont pas aimé ça voir l'autre bouger. Bon, ben, chasse au dindon, terminée. Chasse d'automne, j'ai mon tag, j'ai mon dindon. Les bruits sont là-bas, là, ils ont parti, ils vont revenir. Mais que je sors de la tente, là, c'est sûr qu'ils vont s'en aller. J'avais amené 12, j'avais amené l'arbalète. Au début, je voulais l'arbalète, mais quand je les ai vus, ils étaient dans le foin quand même assez haut. J'ai pas voulu prendre de chance. Là, j'avais mis deux décoys. Puis là, il y en a une qui s'est approchée des décoys. C'est celle-là que j'ai tiré. J'aurais peut-être pu la tirer finalement à l'arbalète, mais tu sais, je voulais comme limiter un peu les mouvements, puis je voulais pas manquer ma shot. Ça fait que bon, j'avais le 12 dans les mains, le temps de remettre le 12, de reprendre la balette. On oublie ça. Mais regarde, c'est fait. On va aller voir ça, ce dindon-là. Puis je vous montre ça. Ça sera pas long. Ouais. Yes! Beau dindon femelle. Très content. Très, très content. Ma grosseur. En pleine santé. Dans le champ de brassica. Ça a fini là. Beaucoup de plomb, beaucoup de sang dans la tête. Donc, ça veut dire que un beau coup. Une belle shot. Hey, hey, hey. Photo pour Nick. Je replace la caméra puis je vous jase ça. Donc, chasse d'automne terminée. Belle femelle, belle grosse femelle. Très content. Comme j'expliquais dans ma vidéo, que j'ai faite dernièrement. Une chasse à l'affût d'automne, c'est aussi bon que n'importe quelle autre chasse. Là. Chasse à l'affût au chevreuil, puis attendre qu'ils viennent au site d'appâtage. Ici, c'est un site naturel. Il y a du brassica un peu ici. Donc, les dindons viennent manger. Et puis ce matin, je les ai vus arriver au loin. J'aurais voulu faire une shot à l'arbalète, comme j'ai dit. Par contre, le foin était haut un peu. Je ne voulais pas prendre de chance. J'ai cette femelle-là qui s'est approchée de mes décoys. Parce que oui, des décoys, on peut aussi utiliser ça à l'automne. Même si ça a l'air d'un mâle de printemps, là, on peut les utiliser. Puis cette femelle-là s'est approchée. Puis quand je l'ai tirée, elle était proche. De la femelle qui est au sol. Puis c'est correct, ça fait la job. Fait que mon coupon de transport est installé. On va aller éviscérer ça. On va laisser reposer ça quelques jours au frigidaire. Et puis on va faire cuire ça. Puis ça va être super bon. Donc chasse automne. En fait, c'est mon premier dindon d'automne. L'année passée, je n'avais pas récolté. Là, cette année, ben, au moins, je récolte celui-là en chasse d'automne. Très content. Et prochaine étape, là, on va guider les clients pour essayer d'en faire tirer à des clients. Un grand merci à Nicolas Baillargeon de Shoot, pour qui je guide et qui m'a permis aujourd'hui de chasser sur ces terrains. Donc, un grand merci à Nicolas. Puis, si vous voulez avoir des bons endroits pour chasser chevreuil, dindon,
Shoot, c'est la place en Estrie. Sur ce, bye, à la prochaine.